Hey, coucou à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de ce nouveau challenge sur les Sims 4 que j'ai écrit. Et comme vous l'avez vu, il s'appelle Destiny Challenge, Challenge Destiny. Pourquoi ce nom? Parce que vous l'aurez facilement compris, puisque vous allez avoir une partie qui va se jouer sur l'aléatoire, sur des destins de vie, des destins de famille que votre Sims, son conjoint et ses enfants vont devoir vivre et subir selon le tirage au sort que vous lui aurez tout simplement tiré avec des dés. Vous trouverez bien sûr toutes les règles en commentaire épinglé dans un Google Doc, puisque encore une fois, il y a pas mal de pages. Ouais, j'aime bien faire des challenges compliqués où il y a beaucoup de lectures, mais au moins comme ça vous saurez quoi faire si vous ennuyez ou si vous savez pas dormir. Moi je vais vous résumer un petit peu déjà ce début et puis on va très très vite s'attaquer à notre petite famille et notre premier épisode de ce challenge. Ce challenge inédit va emmener votre Sims, sa famille et ses descendants dans une folle aventure. L'aventure de la vie, ses aléas et ses différents schémas d'existence et chemins de vie. Chaque partie sera unique par le biais des différents axes de vie que votre foyer subira suite à votre lancer de dés. Des destinées de vie, des plus drôles aux plus émouvantes, sans oublier les tragiques. Armez-vous d'un dé ou de votre assistant vocal et lancez-vous! Ce challenge a été écrit avec beaucoup d'extensions, mais celles qui sont le plus indispensables pour le bon déroulement de ce challenge seront donc chien et chat, vie citadine, saison, vivre ensemble, être parent, détente au spa, au travail, île paradisiaque, Moschino, à la fac, fitness, tricot de pro et vie à la campagne. Ça fait beaucoup, j'en ai bien consciente, mais si vous n'avez pas tous ces packs, vous pourrez quand même faire ce challenge parce que ça concerne les carrières et également des passions. Et si vous ne les avez pas, et ben vous retirez le dé avec ce que vous avez. Tout est déjà expliqué dans les textes. Le challenge va s'articuler autour de plusieurs destins à tirer au sort avec une base d'histoire commune à chaque génération. Mais il y aura aussi un travail, il y aura une passion, il y aura une aspiration et forcément le destin familial qui est le plus important effectivement dans ce challenge. Et il faudra tirer au sort chaque chose, que ce soit le travail, que ce soit la passion, que ce soit son aspiration, évidemment son destin familial. Bien sûr, aucun mode qui amènerait une avance ou un avantage sur votre jeu par rapport à d'autres joueurs sera accepté, mais je vous conseille vivement de prendre le MC Command Center. Parce qu'il y a certains destins qui pourraient être plus facilitants, vous verrez bien. Commençons par le speech de la première génération. Créer un jeune adulte et ses parents. Parents d'âge adulte, frères et sœurs possibles sans réel intérêt au challenge. Votre Sims jeune adulte devra avoir le trait maladroit imposé, les deux autres seront de votre choix. Les faire vivre dans une maison de votre choix, pas non plus un palace. Effectivement. Votre Sims est fraîchement diplômé et tout jeune adulte, encore innocent, habite encore chez ses parents et veut se lancer dans le grand bain de la vie. Mais avant ça, il faut se trouver un travail. Mais avant ça également, moi, je vais vous présenter ma petite famille avec qui on va jouer. Laissez-moi vous présenter ma petite famille qui animera ce Destiny Challenge pour les mois à venir. Il s'agit de la famille en fleurs. C'est joli, non? Et cette famille, la voilà. Elle est composée donc des parents, de la jolie Anémone et de son petit frère. Attendez, j'ai oublié son nom. Adonis! Nous avons donc ici François, nous avons Sophie, nous avons Anémone. Et comme vous avez pu le comprendre, ce sera Anémone qui sera notre principale Sims que nous allons suivre. Pour cette génération en tout cas, et c'est à elle qui va commencer à lui arriver des petites bricoles. J'ai voulu vraiment créer une petite famille pour avoir un espèce de lore dès le départ, pour qu'on puisse, voilà, qu'il y ait des parents, qu'il y ait le petit frère, qu'il y ait un adolescent, pour qu'on puisse tout simplement avoir une vie, et pas juste un Sims fraîchement débarqué, sans aucune vie aux précédentes, etc. Et on n'oublie pas bien sûr le petit chien qui s'appelle Dilbert. Maintenant que ma Sims est jeune adulte et je vous ai rapidement présenté sa famille, comme le speech l'indique, il faut lui trouver une carrière, une passion et puis un destin. Mais le destin, ça viendra plus tard parce qu'il va falloir qu'on fasse des petites choses avant. Et pour l'instant, eh bien, on va savoir déjà quel métier elle pourra faire selon les dés. Attention! C'est un 3, et bien comme dans mes règles, c'est indiqué, résultat 3 ou 6, carrière criminelle ou plongeur et employé de commerce.
Alors, comme je sais que j'ai écrit ma propre petite histoire et mon propre challenge, je sais que ma Sims de base, je vais lui faire avoir les deux boulots, c'est-à-dire plongeur et employé de commerce. Criminel, ce sera pour son futur conjoint. Ouais. Je vais également lancer un dé tout de suite pour savoir quel sera son niveau d'aspiration qu'elle devra remplir. 1, 2 et 3. Et ben c'est encore un 3. C'est 3 ou 6 carrière niveau 7 ou double carrière niveau 3 et aspiration niveau 1 complétée. Ok, c'est cool, ça devrait aller, ça devrait le faire. Je relance le dé pour connaître maintenant la passion de Anémone et ce sera 1, 2 et 3. Ce sera un 6, bah dis donc finalement. Et bah super, sa passion ce sera le bien-être. Donc ça va être genre yoga et compagnie quoi. Ah, trop bien. Moi je pense qu'elle va être gaulée, ça va être musclé de ouf. Hein. Alors il marquait qu'on peut gagner de l'argent avec la passion. Je pense qu'avec la passion bien-être, possible de gagner des sous grâce à la mise à jour. Qu'on a eu avec Spa, donc pour en faire des cours. Ça, c'est pas mal, on pourra tester du coup. Moi, je suis contente. C'est-à-dire qu'elle sera donc plongeur plus employée de commerce. Elle aura double niveau 3 dans sa carrière, plus niveau 1 de son aspiration et la passion bien-être. Bon, eh ben, on y va alors. La suite du speech pour cette première génération. Votre Sim pourra donc commencer à sortir et rencontrer des gens, avoir une première histoire d'amour qui, malheureusement, ne durera pas. Par contre, la deuxième histoire sera déjà plus concrète dès votre Sims quittera le foyer parental pour emménager avec l'élu de son cœur. Ensuite, c'est un déménagement, mais ça, on y viendra pour l'instant. Donc, on va commencer à se lancer dans la carrière. On va commencer également notre passion. Et puis, elle va sortir et rencontrer des jeunes hommes. On verra bien ce qu'il y a de croustillant pour pouvoir avoir une première aventure. C'est parti. C'est parti donc pour cette nouvelle aventure du Destiny Challenge. On va voir la maison que j'ai faite spécialement pour cette petite famille. Donc la chambre d'Anémone sera la violette, la chambre de son frère Adonis sera la verte. D'ailleurs on va commencer à attribuer les lits, ce sera pas mal. Ainsi que ses parents et ce pauvre petit chien. C'est assez sommaire au niveau de la maison mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit vivable. Je vous présente Anémone qui est donc ici. Elle sera... donc elle est extravertie, maladroite, romantique et un côté très famille puisque son aspiration, je lui ai choisi la grande famille heureuse, sachant que les prochaines aspirations et les traits seront complètement aléatoires. Donc première aspiration, ce sera lire pour un enfant pendant 2 heures au total, devenir parent et discuter avec son enfant 10 fois. C'est facile, hein, ça devrait être facilement faisable vu les objectifs de ma génération. Je vais lui faire donc prendre tout de suite ses petits boulots. C'est parti donc pour la première carrière qui est employée de commerce où elle travaillera de 9h à 13h. Et j'avais étudié pour qu'elle puisse faire 2 tafs en même temps. Hop. Et ce sera le métier de plongeuse qu'elle reprendra de 17 à 20h. Donc de 9h à 17h avec une pause de 2h dans la journée. Ben voilà, on est bien ma petite Anémone. Tu vas faire un câlin à ton chien, tu vas discuter avec ta maman. Et je pense que comme on est dimanche... et qu'il lui faut qu'elle ait une première, tout simplement, interaction avec un jeune homme, ou une jeune femme, hein, pour l'instant, on s'en fiche, et on va aller se balader. Nous voilà au Bowl Bar, j'avoue que ce n'est pas moi qui l'ai construit, je ne sais plus qui l'a fait, c'est à Willow Creek que je l'ai installé, et puis on va voir s'il y a du monde sympathique et compagnie pour pouvoir faire connaissance. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Super. Alors non, ce n'est pas elle, c'est presque sa jumelle, c'est Iris. Mais qu'est-ce que tu fais déjà? T'es déjà en train de boire sans que je te le demande? Tu es déjà comme ça dissidente, Anémone? Ça va pas le faire. Hein. Voilà, il commence à avoir du monde. Oh! Oh! Ah, c'est un ado. Ah zut. C'est dommage. Mais le monde commence à arriver. Et toi, tu es qui? Tu es qui? Ah, mince, oui. Bah, tu es déjà adulte et marié, en plus. Bon, il commence à avoir du monde dans ce petit Yacine, un fan de quoi, je ne sais pas. Bon, alors par contre, celui-là, c'est pas moi qui l'y ai mis. Hein. Ah là là, il commence à avoir du beau mâle qui se balade. Ça a pas l'air de très bien commencer le bowling pour Anémone. Allez. Ah, ouais. Non. Non, ça a pas marché. Bon, elle a terminé une partie avec un score de 24. Ok. Voilà.
Tu commences à venir au bon endroit, là, il y a du beau monde. Nous avons la célébrité Ibrahim qui est là. De mon let's play Heure de gloire, c'est incroyable. Il est là, regardez. C'est une superstar mondiale, attendez. Ça rigole plus. Comment tu le trouves, celui-là? N'hésite pas à discuter, il est pas trop mal. Bon, Anémone, je t'en prie. Ne laisse pas partir cette target. De toute façon, ça durera pas. Donc après, qu'il soit beau ou pas... Ah oui, d'accord. Ok. Pendant qu'Ibrahim fait la star. Très bien. Contact établi. Je répète, contact établi avec la target. Target Yacine. Yes, c'est ça. C'est bien. C'est bien. Oh! Mais elle est déjà en train de le draguer, là. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh oui! Puis ça marche! C'est génial! Allez, tu vas tout de suite le draguer. Est-ce que y a les placards dans le coin? Non, mais enfin, juste comme ça, quoi, pour information. Non, il n'y a pas. Ah, oh, zut! Mais elle a déjà le premier baiser! Mais où va le monde? Mais quoi déjà? I'm shocked. Bon bah je dirais que Yacine sera ta première histoire sans lendemain, on va dire. Il faut bien la déniaiser, la petite. Hein. Bon bah c'est cool. Par contre, faudrait peut-être qu'on l'emmène quelque part où on peut faire des petites affaires tranquilles. Parce que là, il y a quand même pas mal de monde et de l'agitation. Ouais, ça marche très bien entre eux. On vient d'arriver au bras du narval. La fameuse boîte de nuit que j'adore. Parce que c'est trop facile, et vu qu'il y a un placard, et puis il y a des buissons à Windenburg dans le coin. Donc c'est plutôt sympa. Et hop, c'est direction le buisson pour, hein, pour s'amuser. Hein, Anémone? Nouche, nouche. Ça t'a dit un petit tour de... Oh là là. Et en plus, il lui claque les fesses. Quel coquinou. Bon, et n'oubliez pas de vous protéger quand même. Hein. Ce serait dommage de faire un gosse pas prévu. Enfin, logiquement, c'est pas dans le challenge. Alors, ça s'était bien passé. Yaler, qu'est-ce qu'elle veut faire? Tu vas pas faire... Non, tu vas pas fertiliser le buisson, vous venez de faire des saletés. Alors, bon, malheureusement, tu vas pas pouvoir rester beaucoup avec... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Reviens. Bah pendant ce temps-là, dans la boîte, il y a du monde quand même. Hein. Il y a quelques Sims que vous pourriez peut-être connaître. Peut-être. Oui, il est là lui aussi. Ah non, il est parti? Oh, parce que le placard n'est plus dispo? Oh non! Oh non! Bon bah écoute, va faire les connaissances de quelques autres petits bons hommes bien sympathiques. Peut-être que, tu vois. Tu vas lui dire bonjour, moi je te le dis direct. C'est obligatoire. Hein? Voilà. C'est même lui qui est venu à toi. Bon, quand même. On va peut-être pas non plus s'acoquiner avec Iowa parce que c'est un autre let's play, mais... Bon. Peut-être en deuxième aventure. Ouais. Ok, je crois que... Tout le monde s'en va, il est 8h du soir. Oui, il est temps de rentrer chez soi. Non, en vrai, on va peut-être rentrer également. Parce que... Voilà. On va passer à autre chose, quoi. Puis il va falloir qu'elle bosse. Non! Tu te tapes pas dans les chips, Janine. Enfin, Anémone, je veux dire. On est rentré pendant que la famille s'éclate. Maman va faire à manger. Elle va préparer le dîner. Servir le dîner des onigiri. Et toi, ma belle, tu vas aller danser. Ouais, je crois que j'avais... Ouais, j'avais mis un tapis ici. Tu vas t'entraîner au yoga, parce que c'est maintenant ta passion. Donc, il va falloir qu'on s'y mette. Et voilà, le yoga va commencer. Après une petite séance au bowling plus boîte et crapahutage dans les buissons. Oh! Mais il y a des mecs là qui passent aussi derrière là. Ouais mais... Non, ils sont pas très très beaux. Puis c'est pas du tout moi qui les ai installés. Le chien de la tête en bas. Et ensuite, je pense que tu pourras aller prendre ton repas. Un petit dîner en famille, il faut en profiter tant que ses parents sont là. Hein. Attends, qu'est-ce que je viens de voir? Papa, il est poilu du dos. Oh, quel enfer. Et en plus, je tiens à vous présenter le petit frère qui est particulièrement beau gosse aussi. Hein. Il est très mignon. J'ai même pas retouché quand ça a été créé dans le CS. Il était déjà très beau. Puis, alors, les petites taches de rousseur qu'elle a également, que c'est hérité de leur maman. Je trouve ça adorable.
Allez, presque minuit, Anémone a envie d'aller se coucher. Demain sera une autre journée, hein. On pourra commencer à travailler. C'est deux doubles boulots, et puis bah il faudra mettre fin aussi à la relation avec Yacine. Oui, je sais. C'est abrupt, ça va vite, mais c'est comme ça. Si les cours vont commencer pour Adonis, tu vas peut-être aller rapidement. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, va rapidement à la douche, je pense que c'est plus intéressant pour toi. Ah, l'adolescence. Ah, notre belle anémone est réveillée, elle va aller prendre un petit déj. Avant de faire un passage dans la salle de bain, elle commence à 9h. Ouais, alors, ah non, elle commence pas tout de suite. Ah, elle commence à 17h pour la plongée. Oh, bah ça va alors, tranquille, tranquille. Bon, bien sûr, vous avez remarqué que ma famille est blonde et rousse. C'est un peu mes préférences dans les Sims, donc j'ai hésité, hein. Elle aurait pu être rousse, mais je me suis dit, elle sera blonde. Regardez un nouveau look de notre belle anémone. Elle est absolument divine. Bah écoute, ah, ok. Il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au bar à cocktail. Bah allons-y alors. Bah voilà, on nous invite, on y va. Laura pourrait être notre pote, hein, tant qu'à faire. Alors mets-toi bien du bon côté. C'est bien, c'est ce que si on voit Yacine, on pourra mettre fin à notre relation. Ce serait pas mal. Ah bah oui, la célébrité, c'est Yacine, non, c'est Ibrahim. Rencontrer une célébrité. Ouais, bah vas-y, rencontre-le. Ah quoi? C'est Ibrahim. Alors, il va te filer un autographe, ça a l'air d'être ok. Trop bien! Trop bien, vas-y, demande un selfie. En plus, t'es toute mignonne à croquer. D'ailleurs, le serveur n'est pas trop mal non plus, hein. Va lui dire bonjour. Comme ça, pourquoi pas. Regardez-la, là. Qui est en train de faire la discute avec le serveur. Oh! Coucou, mamie Huguette. Comment tu vas? Pas très fort, apparemment. Tiens, tiens! Salut. Qu'est-ce que t'es en train de commander, toi? Elle va picoler un coup. Bon, allez, je t'accorde ces sous-là. C'est encore les sous de tes parents, mais... d'ailleurs, elle fait le travail à 17h, pas que j'oublie. Ce serait bien qu'on revoie Yacine juste avant, quand même. Oh, tiens! Yacine! Anne Petit Cul m'a proposé un rencard. Ouais. Vas-y! Fais franchement! Ça durera pas entre nous, donc go! Le mec est honnête, il t'appelle avant d'aller tirer son coup ailleurs, quoi. C'est ça qui est cool. Bon, ma petite, tu vas arrêter de picoler, peut-être, hein? Voilà, on va peut-être rentrer aussi, hein. On est rentré. Oh, regarde, il y a Dilbert qui est là. Coucou Dilbert, coucou chaton. Enfin, c'est pas vraiment un chaton, mais... Voilà, gros câlin le chien. Oh là là, trop mignon. Ah, je crois qu'il y a eu une visite des voisins. Mais sans voisins. Bon, Adonis, oh là là, il est rentré des cours... Visiblement, c'est pas terrible. Par contre, il meurt de faim. Allez, viens manger, va. Mon pauvre. Et tu iras te prendre une douche pour te calmer tout ça. Un peu de yoga. Avant d'aller en cours. En cours, pas du tout. Avant d'aller bosser. Oh mince, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut déjà qu'on appelle Yacine pour mettre fin à leur relation. Oula, tes fesses. Parce que ça ne va pas durer. Donc, faudra juste qu'après qu'on fasse le tri. Savoir qui pourrait être sympathique en deuxième relation. Je pense qu'elle a déjà fait pas mal de plein niveau. Et puis il y a pas mal de mecs. Relation. Allez, Ayoma peut-être. Ouais, non, mais c'est si je le prends pour faire des bébés. Non. Ah, ça y est. Ah. Ah bah non. C'est les voisins. Je pensais que c'était Yacine qui passait, mais même pas. Ah bah oui, d'accord. Il nous ramène un autre cake. Super. Il est déjà là en fait. Il est en train de s'énerver dans la chambre des parents, mais... Pff, mais what? Oh non! Bah, elle a pas eu le temps de mettre au clair les choses. Elle est en train de partir à son taf en tenue de plongée. Avec les palmes, c'est super. C'est exactement ce dont je rêvais. Tiens, tiens, il y a une ado qui se pointe pour le petit frère. Super! Il a justement un projet scolaire à faire. Il pourra l'inviter. Oh! Elle est toute bleue! Mais la revoilà. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit chelou. La revoilà depuis son travail. Tu vas te changer tout de suite, ma belle. Vas-y, habille-toi parce que là, tu te sentiras mieux. Hein, parce que bon, c'est pas super de se baigner dans le froid. C'est le printemps, il fait pas encore trop chaud à Soulani. Eh, hey, mais du coup, Yacine est encore là. Génial. Et en plus, il collectionne les crottes. Non, il est vraiment pas fait pour toi. Non, il s'est barré. Non, 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 il faut que tu le rattrapes là.
parler de mariage. Je pense pas, non, Janine. Tu vas lui complémenter la tenue, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un compliment. Vite, 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 fais pas la vaisselle, il va partir. Voilà, retiens-le. À moins qu'on soit un petit peu coquin. Je sais pas, il y a plein de gens qui se baladent, c'est affreux. Et qu'on profite une dernière fois de lui. On va pas faire de bébé, mais un petit crac-crac. Et juste après, on le fout à la porte. Parce que, voilà. Il y a ce mec-là qui a dragué ma... Ah bah bien sûr, pourquoi pas après tout. Bah en même temps c'est un rebelle hein. Il drague les femmes mariées, il renverse les poubelles. Super. Toi tu vas être banni de la baraque, je te le dis direct. Ils viennent dire ok pour faire craquer. Vous allez quand même pas faire ça dans la chambre des parents. Mais pourquoi y a pas de place dans ce lit? Vous vous foutez de ma gueule un peu? Oh non. C'est glauque. Quoi? Quoi? Mais la lampe elle te gêne, mais la lampe elle est là. Mais pourquoi elle te gêne? Oh mais les Sims, c'est plus ce que c'était, hein. Allez, c'est pas grave, le jeu ne veut pas hein, que vous soyez ensemble, clairement. Donc tu vas rompre avec lui, directement. Et ce sera ciao. Pour ce beau gosse, tu lui souhaites une bonne chance pour la fin de sa vie, pour la suite de sa vie, hein. Il ira draguer qui voudra. Pourtant, l'amour était grave monté, quoi. C'était un truc de fou, hein. Et voilà, ils ne sont plus amoureux. Allez, salut, hein. À la prochaine. Non mais les parents, comment ils dansent ça? Lol. Allez, il est temps pour notre petite et douce anémone d'aller se coucher. Demain, ça sera plus compliqué parce que ce sera sa première journée de double taf. Mais ouais. J'ai trouvé d'où venait le bruit bizarre. C'est le bateau qui passe sur la rivière à côté. Il va bientôt être 8h, on va réveiller anémone parce qu'elle devra aller aux toilettes. Eh oui. Toilette, manger, ouais. Ouais, ça urge ma cocotte. Par contre, il me prend la tête, ce chien, il est toujours en train d'aboyer. C'est chiant. Oh, il est gentil, mais il est chiant. Allez, c'est parti, Anémone. Tu vas pouvoir aller travailler en tant qu'employé de commerce, il me semble, c'est ça le matin. Oui, bah de toute façon, ça se voit. Elle est pas en tenue de plongée, donc bon courage à toi, ma douce. Anémone. Anémone est rentrée du taf. 132 simflouzes. Bon, c'est toujours ça. Elle a quand même fait une belle perf quand même. Elle va reprendre à 17h. Il faut qu'elle achète un couteau de plongée à partir d'une bouteille de... une bouée de plongée. Bon, je vais la faire laisser se détendre devant la télé. Après, on va aller faire un petit tour à Sulani pour qu'elle achète ça. Et puis, en espérant qu'elle puisse gravir les échelons assez rapidement aussi. Bon, divertissement avec jouer avec le chien, ça marche de ouf, hein, par contre. Ça lui va parfaitement. Oh, quel dommage. On arrive sur la plage à Sulani et il pleut. C'est vraiment pas l'idéal. Hein. Alors, on va aller acheter son couteau plongé. Mince, je suis pas allée au bon endroit. Oh, vite. Bon, on reprend la corvette. Nous voilà à l'autre plage. Il pleut encore un petit peu. Matériel de plongée. Couteau de plongée. 250. Hein. Bon, si ça nous permet quand même de nous faire de la thune derrière, ça va. Mais tu sais quoi, Anémone, le discuter avec... que c'est fou là d'ailleurs, elle. Je l'ai pas supprimé. Incroyable. Tu vas y faire un peu de plongée. Parce que c'est ton taf aussi. Et on va préparer notre taf. À un moment donné, tu te mets en maillot de bain ou... Ok. Oh, ça me rassure. Le petit tuba. Et à faire un petit peu de plongée. Ah oui. Ah non, je voulais qu'elle cherche des trésors, moi. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Tu te souviens qu'on avait parlé d'Anne Petit-Cul? Eh bien, j'ai eu un rencard avec elle et c'était très sympa. Eh ben, c'est cool. Sois heureux et fais beaucoup d'enfants avec elle. Des beaux enfants. Oh! Il y a un dauphin! Le dauphin est en train de dire s'il vous apprécie. Énorme. Ah bah non. Bah, il t'aime pas. Quoique, il y en a d'autres. Hein. Eh, mais c'est qu'il y a du monde maintenant, là! Dans la flotte. Est-ce qu'il y a du bétail sympa, là? Parce que bon, maintenant qu'elle est célibataire, il pourrait y avoir des mecs un peu cool, non? Ah oui, tu es en retard pour le taf, ma belle. Et vite, dépêche-toi de sortir de l'eau. Tu dragueras plus tard. Mais, qu'est-ce qu'il fout, là? Il trouve Mais non, ils vont pas être meilleurs amis, mais pourquoi? C'est parce que t'as sauté sa sœur que tu dois être bonne amie avec le frère, en fait. Tu peux te barrer, hein. Allez, c'est bon, t'as assez vu. Oh! Elle a été... Promu professeur de plongée, mais quel boss! Allez, ça commence.
Professeur de plongée sous-marine, elle gagnera désormais 14 simflouz de plus par heure, soit 59 simflouz de l'euro total. Et elle a également reçu en bonus une bouteille de plongée. Yes, Anémone, tu déchires ta mère et ta grand-mère. Et pas, et bon, même si on les connaît pas trop. Qu'est-ce que tu dois faire? Elle doit acheter le matériel de plongée, outils, trésors à partir de bouée de plongée. En attendant, elle est mais morte de fatigue. Tu vas pas aller te coucher, hein? Ah non, non, non. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller manger. Je pense que tu vas aller prendre une douche aussi. Je pense qu'il y a besoin. Et tu vas manger un bon petit plat avant d'aller te coucher. Oh la pauvre, elle en peut plus. Anémone a encore changé de look. Et comme vous voyez, elle est claquée. Il est 22h, elle va pouvoir aller se coucher. C'est tôt, mais au moins, pourra se reposer pour être en meilleure forme pour l'épisode prochain. Bonne nuit, Anémone. Rêve bien et dis-toi que sûrement dans l'épisode prochain, tu trouveras ton nouvel amoureux. Et voilà, c'est comme ça se termine ce premier épisode de ce tout nouveau challenge, Destiny Challenge. J'attends toutes vos impressions, si vous, ça vous plaît, si vous êtes emballé, si Anémone vous plaît également, dans les commentaires. Je rappelle que les règles seront disponibles sur un Google Doc. Le lien sera disponible également en dessous de la vidéo. Et bah écoutez, si vous êtes encore là maintenant, n'hésitez pas à mettre le mot concombre dans votre commentaire. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. Merci de votre soutien pour ce nouveau challenge. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Gros bisous, ciao ciao.